bien aujourd'hui, pas d'activité, donc c'est champ libre, donc on va se balader un petit peu gentiment au sein du Club France. Tiens, il y a un truc intéressant, je crois, vas-y, viens. Regarde-moi ça. Voilà. Ça, j'aime bien, ça. Voilà. Tu sais manier les armes? Je vais te faire une petite démo. Tush. Tush. Ah, voilà, ça c'est sympa ça. Bonjour. Excusez-moi, ce sont des armes de démonstration. Donc si vous voulez, je peux vous montrer comment faire. Mais dans non, c'est bon, je m'amuse tout seul, c'est sympa. Ouais. Mais en fait, dans les arts martiaux chinois, on apprend à manier d'abord se servir de son corps et ensuite utiliser les armes comme prolongement de son corps. Donc si vous voulez, je vais d'abord vous apprendre à faire des arts martiaux. Donc là, je vais vous apprendre un petit mouvement de kung-fu d'abord à main nue et ensuite on verra si vous voulez, si vous débrouillez bien pour faire des armes. Ok. Bon, je repose l'arme alors. On repose l'arme. Eh merde. Merde, super. Hein? L'objectif de base, c'est un mouvement, ça donne ça. Ah oui! Ok. Ah oui! Après, sinon, on peut partir sur les choses plus simples, ouais, mais qui du coup. Plus simple. Ok, ok. Au karaté, au judo, on salue comme ceci. Ici, c'est un art martial chinois, donc on salue de cette manière. Donc on ferme le poing droit, on met la main droite comme ceci et on joint les deux. Voilà, c'est comme ceci qu'on salue dans les arts martiaux chinois et notamment au kung-fu. Donc les positions de base, donc on va venir essayer d'écarter les jambes, on va mettre les mains sur les hanches et on va essayer de descendre pour. Voilà, on peut écarter un petit peu plus, voilà, et on essaie de descendre. Voilà, ça, c'est la position qu'on appelle du cavalier, c'est Mapu. Ok. Moi je suis meilleur avec les armes. Alors là, qu'est-ce qui se passe quand j'arrive comme ça? Alors, donc ceci c'est des armes de démonstration, donc on va pas se battre avec. D'accord. On va pas se battre avec? On va pas se battre avec. Merde. Laisse tomber l'arme et sur le côté à droite. Attends. Ok, c'est pas mal, ouais c'est ça. Ok. Voilà, je vais te montrer du coup. On ramène le sabre à l'épaule. On va faire 1, 2. Voilà, tu peux le donner un petit peu sur le côté. Ici. Ok, c'est pas mal. Bon ben voilà du coup ce que c'est que le Wushu Taolu. Et puis, est-ce que ça t'a plu? Ça m'a beaucoup plu, Maël. Merci à et toi. Puis, je vais permettre de te saluer. Pour les armes, on verra peut-être une autre fois. Ok, avec plaisir. Et puis, à bientôt.